En très gros. Donc, quand Francis m'a appelé pour faire la conférence aujourd'hui et puis il m'a dit que le thème allait être Connect, je me suis vraiment sentie interpellée. Interpellée parce que, comme vous et moi, j'ai un téléphone dans mes poches en tout temps, sauf en ce moment, j'ai pas de poche. Donc, j'ai été interpellée pour plusieurs raisons, mais aussi parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'un clicker ne fonctionne pas dans une présentation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous envoyer des courriels à vous-même. Moi, je fais ça souvent. Et puis, quand votre téléphone vibre, vous êtes vraiment excité de le sortir. Moi, ça m'arrive vraiment souvent, en fait. Cette citation-là n'est peut-être pas tant anonyme que ça, finalement. Aussi, dernièrement, j'ai lu que 88 % des gens qui ont été sondés ressentent des vibrations fantômes. Une vibration fantôme, c'est quand on pense que notre cellulaire vibre, mais qu'il n'est pas dans nos poches. Ça m'arrive vraiment beaucoup, puis je me suis mis à me poser la question si, dans le fond, on n'était pas conditionné. Je me suis demandé, dans le fond, si j'étais pas aussi bête qu'un poulet. Et pour tester ma théorie, en fait, j'invite Jean Lessard et Yannick Dion, qui sont spécialistes en comportement animal. Ils vont nous parler de conditionnement, dans le fond. Je vais avoir besoin du micro. Effectivement, on va parler de conditionnement, on va voir comment on procède, en fait, avec des animaux. Comment on entraîne un animal? Est-ce que c'est une question de le dominer? Moi, j'ai entraîné des lynx, des cougars. Si je les avais dominés, je serais mort. Alors, il y a des techniques beaucoup plus simples que Skinner a élaborées, par exemple. Et on utilise un clicker. Pas le même genre de clicker que Cynthia a. Un clicker qui fait un son comme ça, tout simplement. Ça, j'entraîne, je conditionne mon animal à comprendre que ce stimulus neutre-là annonce de la bouffe. Alors, qui ne veut pas travailler pour de la bouffe? Tout le monde ici, on travaille pour ça, de la bouffe. Alors, ça annonce de la bouffe. Ça annonce de la bouffe. Ça annonce de la bouffe. Et voici Angèle. Bonjour, Angèle. Yes. Salut, ma belle. Comment tu vas? Alors, Angèle, ici, on va lui enseigner que si tu touches au cône bleu, on te clique et t'as de la bouffe. On veut que tu touches au cône bleu. Yes. Touche au cône bleu, tu auras de la bouffe. Yes. À toutes les fois qu'elle touche au cône bleu, Yannick clique et donne de la bouffe. Si on clique, on doit donner de la bouffe. Maintenant, on voudrait qu'elle ne touche pas au cône jaune, seulement au bleu. Bleu, pas le jaune. On veut lui faire faire de la discrimination de couleur. Elle n'a pas touché au cône. Elle a touché au cône. On rend ça un petit peu plus difficile. Elle n'a pas touché au jaune. Elle touche au bleu, on clique. On rend ça un peu plus difficile. On rajoute un cône. C'est le bleu, pas les jaunes. Yes! Très bien. Alors, elle discrimine. Elle a appris, je ne dois pas toucher au cône jaune. Ils ne sont pas payants. Si elle ne s'en souvient pas, on la laisse picorer le cône jaune sans cliquer, sans offrir de bouffe. Mais si elle touche au bleu, on clique, on offre la bouffe. Alors, il y a juste le bleu qui est payant. Les jaunes ne sont jamais, jamais payants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le comportement. Picorer le cône jaune va disparaître, va s'éteindre. On a créé une extinction et une discrimination. Tu touches seulement au bleu. Ben bravo, Angèle! Pourquoi un clicker? Parce que le son est saillant, il ressort. Au lieu de dire « Oh oui, bonne poule, tu vas avoir de la bouffe, c'est trop long. » On a 4 dixièmes de seconde pour entraîner un comportement. Voici Picosseuse. Alors, Picosseuse, ce que je vais lui enseigner ici,
c'est à toucher à une cible qui est sur la table. Alors, je veux qu'elle touche à ça. Donc, le comportement de toucher la cible est renforcé avec le bruit du cliqueur. De cette façon. Toutes les fois qu'elle picore, toutes les fois qu'elle picore la cible, au lieu de me regarder moi, parce que ça aussi c'est de la discrimination, pas moi la cible. Elle pense pour je pense qu'elle a un faible pour toi, Jean. Alors, ma petite cible est ici. Elle picore ma petite cible très, très bien. Je change, ma petite cible est au bout d'un bâton. Elle l'a picoré. Elle l'a presque picoré. C'est le stress. Je peux chanter une chanson en attendant. À la chasse aux poules, poules, poules. Elle est allée, elle n'a pas tout à fait picoré, mais ce n'est pas grave, j'étais en façonnement. Je façonne le comportement, c'est-à-dire que je clique des comportements qui vont dans le bon sens. Je suis en train de mélanger. Je vais mordre le micro. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enseigner un rappel. Viens vers ici, ma belle poule. Yes. Vous voyez? Elle suit la cible, donc c'est un rappel. Je pourrais dire viens. Je pourrais dire, viens vers moi. Un dernier comportement qu'on a mis sur Q, c'est-à-dire qu'elle a un signal et elle va nous produire un comportement. OK, ça, c'est un autre bâton cible. C'est pas le même que tout à l'heure. Oui! Et voilà, résultat de conditionnement vraiment primaire, une association Skinner. C'est tout. Alors, après la présentation de Cynthia, on va être ici si vous voulez d'autres démonstrations ou si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean et Yannick. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Donc, ce qu'il est en train de nous montrer, dans le fond, c'est que la poule fait une action. On utilise un stimulus sonore, le clicker, et on lui donne une récompense de la nourriture. Et non pas « on mange la poule », j'ai réalisé après. Ce qui est intéressant de ça, c'est de remplacer cette équation-là. Si on remplace la poule par l'être humain, le clicker par un téléphone, une sonnerie de téléphone, et la nourriture par un message sur Facebook, un like ou un message texte, on obtient exactement la même équation. Donc, on est très certainement conditionné, mais est-ce que ça veut dire qu'on est dépendant? Pourtant, j'ai jamais, jamais entendu personne dire que jamais utiliser un téléphone dans une situation complètement inacceptable. Donc, est-ce qu'on est dépendant? Pour comprendre la dépendance et pour essayer de ne pas vous transmettre un comportement de dépendance, on va faire quelque chose ensemble. Ça va être le temps de toucher à la boîte de tout le monde. Yes. Donc, en dessous de votre chaise, la plupart d'entre vous avaient des boîtes. On est désolé, on a essayé de faire rentrer le plus de monde possible. Ça se peut qu'il y ait quelques petites personnes qui n'aient pas de boîte. Je suis désolée. Donc, ce que je vous encouragerais à faire maintenant, c'est de mettre votre propre cellulaire dans la boîte. Oh oui! Et de fermer la boîte.
Pour ceux qui avaient peur de ne pas pouvoir tweeter pendant la présentation, inquiétez-vous pas, il y a une liste de tweets pour emporter dedans. Sur notre blog, vous avez des tweets aussi. Vous allez pouvoir prouver à votre patron que vous étiez là ce matin, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tout le monde a à peu près son téléphone dans la boîte? Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'autocollant Creative Morning pour sceller la boîte, si vous voulez. Donc, juste à main levée, qui s'engage envers vos collègues et envers moi-même à garder votre cellulaire jusqu'à la fin de la présentation, à main levée? Dans la boîte. Dans la boîte. Super. Qui maintenant jusqu'à la fin de la journée? OK. You! Il y a une personne qui a dit oui, OK, à peu près 10 personnes. Et jusqu'à la fin de la semaine, j'ai bien peur que je ne vais pas perdre. Ah, une personne. En fait, je vous inviterais, quand vous allez effectivement ouvrir la boîte, prenez une photo, tweetez-la avec le hashtag. On va voir c'est qui a duré le plus longtemps. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de se séparer d'un téléphone pour une journée? Certainement, il y a l'aspect utile, mais il y a aussi ce comportement qui fait qu'on est complètement conditionné à notre téléphone. Dès qu'il sonne, on a envie d'y répondre. Et pour comprendre ce comportement de dépendance qu'on a, il faut comprendre le rôle de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est une hormone qui est libérée naturellement dans notre cerveau à chaque fois qu'on anticipe du plaisir. Donc, la poule anticipe du plaisir quand on pèse sur le clic puis qu'elle va voir sa nourriture. C'est là que la dopamine monte le plus. C'est libéré naturellement quand on anticipe du plaisir, par exemple, de nourriture ou un like sur Facebook, justement, pendant le sexe aussi, et quand on va avoir de la nourriture, plusieurs comportements comme ça. Ça fonctionne un peu comme la drogue, en fait. C'est la même hormone qui est libérée en grande quantité quand on prend de la drogue. Donc, pour vous expliquer un peu, dans un graphique qui n'est pas du tout scientifique, pour ressentir beaucoup de plaisir, c'est en haut de cette petite ligne-là. Donc, quand il y a un stimulus, la dopamine monte. Et dès qu'on reçoit la récompense, la dopamine descend énormément pour revenir à peu près vers une situation normale. Ce qu'on remarque, c'est que c'est juste légèrement plus bas qu'ici. Cette ligne-là va remonter avec le temps de façon naturelle. Mais pour ceux qui connaissent le langage « down » après avoir pris de la drogue, c'est ça ici, c'est qu'on est rendu plus bas que notre niveau normal. Donc, la dopamine, c'est pas mal en tant que telle, c'est plutôt bien même. Le problème, c'est quand les récompenses sont trop rapprochées, quand la gratification est trop facile. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on crée une tolérance à la quantité de dopamine qu'il y a dans notre cerveau. Donc, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile de se rendre au niveau de plaisir. C'est difficile de ressentir le plaisir de la première fois. Donc, très certainement, au départ, quand on a notre cellulaire et qu'il sonne pour la première fois, on vient de payer 700 $ pour une petite affaire, on est content qu'il sonne, on veut qu'il ressonne. Mais le problème avec les technologies, c'est qu'on a accès à cette gratification-là instantanément. Donc, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on envoie un message texte à quelqu'un, la personne nous répond. On reçoit de la gratification. On est dans une conversation sur Facebook, on se fait gratifier. On est sur Twitter, chaque tweet qu'on voit, on a une gratification. L'être humain est un animal qui adore rechercher. En fait, il se fait toujours récompenser dans sa recherche plutôt qu'à l'atteinte de sa récompense. Par exemple, on chassait pour survivre, c'est la recherche qui est la plus intéressante et non pas la récompense. La même chose pour chercher un partenaire, pour cueillir et trouver un habitat sécuritaire. Donc, le fait d'être dans une boucle de dopamine, c'est qu'on n'arrive plus à se sortir de ça. Et je ne sais pas comment vous magasinez en ligne, mais moi, quand j'achète une télé, il faut que j'ai à peu près 85 onglets d'ouvert où il y a à peu près tous les sites et toutes les télés de l'univers que je compare. Puis je peux passer des heures à faire ça, puis c'est souvent le soir, je ne sais pas pourquoi. Et quand je finis, il est rendu 2 heures du matin, puis je me demande, mais pourquoi j'étais en train de faire ça? Je ne me souviens même plus qu'est-ce que je comparais. Je suis rendue super loin dans des sites avec plein de critères, puis des gens qui font des commentaires. Ça, c'est vraiment quand on est rendu dans une boucle de dopamine. À chaque nouvel onglet qu'on ouvre, ça nous fait un petit « whoopi, surprise ». Et on continue, jusqu'à ce qu'à un certain moment, on arrive dans un down total, on n'a plus de plaisir, puis on se demande carrément qu'est-ce qu'on est en train de faire. On sent un peu fatigué. C'est un peu le même comportement quand on est sur Facebook, puis que là, on part dans le feed, et puis on lit, puis au bout de 3 heures, on ne veut même plus être là. C'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas complètement dépendant de nos téléphones si on a accès à cette gratification-là instantanée aussi facilement? C'est qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer pour avoir notre gratification, c'est un prix social. C'est complètement inacceptable d'arriver, de sortir son cellulaire en plein milieu d'un repas romantique, par exemple. Ouais. Moi, je trouve ça inacceptable. C'est aussi inacceptable dans un meeting client de sortir son téléphone puis de se mettre à tweeter. C'est pas vrai. Il fait pas ça.
C'est complètement inacceptable de le faire. Donc, c'est un prix social à payer. Le problème avec les objets connectés comme les Google Glass, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ou les montres intelligentes qui sont connectées à Internet, c'est que ce comportement-là est de plus en plus transparent, en fait. Regarder dans un meeting un téléphone, c'est, les gens s'en rendent compte, sont en train de te parler. Mais regarder sa montre dans un meeting, c'est assez caché. Donc, la barrière ou le coût est de plus en plus bas. Et évidemment, plus le coût descend, plus le comportement a lieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les gens d'utiliser les nouvelles technologies? Absolument pas. Je suis la première à dire que la technologie va très probablement sauver des vies. Parce que quand on donne une technologie dans les mains des créateurs, ils se l'approprient et ils font des trucs vraiment, vraiment géniaux. Au début, quand l'iPhone a été lancé, personne pensait, même les créateurs du iPhone, pensaient pas qu'il allait avoir autant de développeurs, qu'il allait créer des services, qu'il allait créer des innovations et des trucs qui maintenant révolutionnent la vie de plusieurs personnes. Donc, imaginez maintenant, ça, c'est des applications qui ont été pensées pour les Google Glass. Donc, imaginez pouvoir comprendre les gens dans n'importe quelle langue, donc avoir accès à une traduction instantanée. C'est un peu le fantasme, la tour de Babel et tout ça. Ce serait vraiment génial. On arrive dans un nouveau pays, plus besoin d'apprendre la langue du pays si on veut. Les gens nous parlent, on comprend. On a la petite description qui arrive directement dans nos lunettes. C'est vraiment génial. Mais imaginez maintenant comprendre tout le monde quand on est docteur. On est à l'hôpital, la personne arrive et est dans un état pratiquement proche de l'inconscience et on trouve un pot de médicaments vide dans ses poches qui est inscrit dans une langue qui est incompréhensible. Avec les Google Glass, ça va être capable de nous traduire automatiquement de quoi ça parle sur cette petite boîte-là. Quand on est docteur, ça veut dire qu'on va peut-être sauver la vie de quelqu'un qui, dans une autre situation, on serait pas arrivé, il y aurait eu des conséquences plus graves. Imaginez maintenant avoir les mains libres quand vous êtes en train de cuisiner. Là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça arrive tout le temps qu'il faut que je regarde la prochaine étape de la recette quand j'ai les deux mains dans le poulet. C'est toujours à ce moment-là, et je suis avec mon coude ou l'extérieur de mon petit doigt pour essayer d'ouvrir mon iPhone. Puis à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi j'ai mis un code sur mon téléphone? Puis j'ai même essayé de l'ouvrir avec mon nez une fois, une vraie histoire. Ce serait vraiment génial, et il y a des applications qui vont même pouvoir faire, par exemple, de la réalité augmentée. Donc, ça te montre comment faire une coupe en portefeuille sans avoir les deux mains dans le poulet, par exemple. C'est vraiment génial. Mais imaginez maintenant avoir des étapes une à la fois et avoir les mains libres quand on est secouriste et qu'on arrive devant quelqu'un et on doit lui faire le RCR, donc la réanimation. Il y a un chercheur qui a pensé à une application vraiment géniale pour ça. Premièrement, ce que ça fait, c'est que ça donne les étapes. Donc, tu vois au fur et à mesure, c'est quoi les étapes que je dois faire. Et je ne me mets pas à faire le RCR à quelqu'un si je n'ai pas vérifié certaines choses avant. Il risque de ne pas trouver ça drôle. Une deuxième chose que ça fait, c'est que ça compte le nombre de compressions et le temps depuis que tu le fais. Donc, quand les ambulanciers arrivent sur place, tu peux lui dire « Ah, bien, ça fait 15 minutes que je suis en train de le faire. » Troisième chose très intéressante que ça fait, c'est que ça recherche l'hôpital le plus proche, ça appelle le 911 et aussi ça joue la chanson « Stayin' Alive ». C'est pas juste un mauvais jeu de mots avec « garder en vie », là, c'est vraiment pas ça. En fait, quand on apprend à faire le RCR dans les cours de secourisme, ils nous apprennent que la chanson « Stayin' Alive », que je ne chanterai pas, non. le rythme de cette chanson-là est excellent pour faire des bonnes compressions parce que c'est plus rapide qu'une par seconde. Nous, on est habitués, on compte, donc c'est 1, 2, 3. Mais avec Stayin' Alive, ça se fait beaucoup plus vite. Et non, je ne vais pas chanter encore cette fois-ci. Donc, c'est le type d'application, en plus, qui garde la personne concentrée sur ce qu'elle est en train de faire et qui l'amène à réfléchir uniquement à ses compressions, à avoir quelque chose qui aussi la coupe de l'univers externe. Donc, les gens qui arrivent, qui crient, qui posent des questions, ça te permet juste de faire une chose, de focusser. Tu n'as pas besoin de demander d'aide à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment le genre d'application qui peut sauver des vies, littéralement. Mais au-delà de sauver des vies, il y a des petits plaisirs d'être connecté. Il y a toutes ces petites choses que le fait d'être connecté avec les gens nous permet de faire des petits instants magiques de la vie. Par exemple, sur Facebook, ma grand-mère m'a écrit que j'étais belle. Puis, c'est le genre de truc vraiment simple, mais moi, ça m'a rendue vraiment heureuse de savoir que ma grand-mère, pendant une période d'insomnie, était allée sur Facebook regarder les photos de ses petits-enfants, dont moi, puis m'écrire ça. Ou mon père, quand j'ai dit que j'allais être là ce matin, il m'a écrit « Cynthia, je suis fière de toi ». C'est le genre d'élément qui me rend vraiment heureuse, que mon père n'aurait peut-être pas pris le téléphone pour me dire. Ou simplement quand mon frère a écrit que mon fille avait dit sa première phrase, et je suis obligée de l'écrire parce que c'est probablement la chose la plus drôle que j'ai lue. « Papa, j'ai le nez qui coule ». C'est des choses qui sont beaucoup trop belles pour disparaître, puis que si c'était amené à disparaître, ça me rendrait réellement triste, et probablement plusieurs d'entre vous aussi. C'est trop beau, donc il faut qu'on se pose des questions.
comment qu'on va faire pour trouver des solutions pour être connecté sans créer des monstres de la dépendance. Donc, moi, j'ai trois pistes de solutions qui s'adressent à des créateurs, qui s'adressent à des décideurs, mais qui s'adressent aussi aux gens qui vont utiliser les téléphones et appeler des gens. Donc, la première chose que je souhaite, c'est une technologie qui soit respectueuse des horaires des utilisateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a pris 4 ans avant qu'il y ait un « ne pas déranger » sur l'iPhone. C'est complètement inacceptable et je ne veux même pas imaginer le nombre de couples qui ont été brisés parce que la personne recevait trop de messages textes en plein milieu de la nuit. C'est super dérangeant de se faire réveiller soi-même pendant la nuit, mais imaginez se faire réveiller par le téléphone de votre conjoint, conjointe. C'est vraiment inacceptable que ça ait pris autant de temps. Aussi, éviter de marquer l'heure à laquelle la personne a lu le message sur Facebook. C'est quelque chose qui rajoute énormément de stress, de pression, de répondre. C'est une bonne chose pour Facebook parce que les gens sont amenés plus à répondre puis aller sur le site. Donc, c'est bon pour eux. Mais pour les utilisateurs, il y a même des gens qui me disaient hier qu'ils faisaient exprès de ne pas aller lire le message pour ne pas que la personne voie que tu as lu le message. Donc, c'est comme en train de créer un anti-comportement de peur et de panique. C'est vraiment étrange. Une autre chose qu'on pourrait penser et réfléchir, c'est un snooze sur les téléphones. Il y a une application Mail qui permet de le faire, c'est Mailbox, qui permet de le faire, de snoozer les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent pour pouvoir y réfléchir plus tard quand on aura le temps. Mais on pourrait penser à une façon de snoozer à peu près tout sur notre téléphone et de juste lui dire, rappelle-moi-le tantôt, j'ai pas envie d'y réfléchir tout de suite. J'ai pas envie d'arrêter de donner le bain à mon fils pour répondre à ce truc-là, mais c'est important et je veux pas avoir à y penser tout le reste du bain. Je rêve aussi à des technologies qui seraient respectueuses du contexte, de l'utilisateur. Ce que je veux dire par là, c'est que je viens de rentrer dans mon téléphone, que j'ai une conférence avec un client ce matin. Normalement, mon téléphone le sait, il ne devrait pas être en train d'essayer de me déranger parce que je reçois un appel, sauf si je lui ai dit qu'il avait le droit de me déranger. Il devrait avoir des défauts qui sont un peu inversés. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui essaient de se rendre vers là, mais il y a plusieurs autres compagnies plus petites qui ne pensent même pas encore à ça, puis je vous encourage à y penser. Mais ça veut dire aussi, vous, en tant qu'être humain, quand vous appelez votre ami, pensez à ce qu'il est en train de faire. On a tendance à se dire, genre, je ne vais pas l'appeler, je vais juste lui envoyer un message texte pour ne pas le déranger. Mais ce qu'on réalise, c'est que dès que le téléphone sonne, on est conditionné. Dès qu'il vibre, on va sortir, regarder c'est quoi le message texte. Ce n'est pas vrai que ça ne nous dérange pas. Donc, pensez-y. On peut penser aussi à des applications, par exemple, qui, au lieu d'envoyer à chaque fois qu'il y a une nouvelle notification en temps réel, ils pourraient condenser les notifications tout en une. Donc, envoyer 5 notifications à chaque 10 minutes, par exemple, plutôt que de les envoyer à chaque fois qu'ils arrivent en temps réel, un temps de réponse de 10 minutes, ce n'est pas inacceptable non plus si c'était la norme. Je rêve aussi de technologies qui sont soucieuses du dérangement. Le stimuli sonore, le dring-dring, c'est très agressif. Ça vient vraiment nous chercher. C'est comme ça qu'on se réveille le matin. Et puis surtout, depuis que les sonneries de téléphone sont les mêmes que les alarmes de réveil matin, il suffit que quelqu'un d'autre dans la salle ait la même alarme que toi, que soudain tu te sens tout mal, ton cœur se met à battre. C'est vraiment désagréable. Donc, on pourrait penser à des façons d'attirer l'attention plus progressive de l'utilisateur. Pensez un peu à la différence entre quand vous devez tousser parce que vous avez quelque chose, ça arrive automatiquement. Ça, c'est comme un peu un son. Mais quand vous devez éternuer, vous le sentez venir un petit peu avant d'éternuer? C'est un peu ce que je propose avec une alerte, c'est un dérangement. Donc, on pourrait penser au départ avec un changement de couleur sur le téléphone, éventuellement un clignotement lumineux, mais ça peut être plus subtil aussi que les flashs qui arrivent en plein milieu de notre visage. Pensez à votre MacBook Pro, par exemple, qui respire. C'est doux au départ, il peut se mettre à respirer plus rapidement. Il y a plusieurs façons de communiquer un temps ou de communiquer une alarme. Évidemment, si la lumière ne fonctionne pas, on peut transitionner vers une vibration. Pourquoi pas penser à des changements de température aussi, ça pourrait être suffisant, quelqu'un qui a son téléphone dans les mains. Ou même, ensuite, évidemment, on peut penser à l'alarme sonore, mais pourquoi pas toujours envisager des alarmes qui sont en crescendo, c'est-à-dire qu'au départ, sonne moins fort et de plus en plus fort. Donc, c'est sûr que c'est des pistes de solutions, mais moi, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, c'est de prendre la boîte que je vous ai donnée, de l'utiliser plus souvent, puis de garder votre téléphone dedans pour mieux en profiter quand vous le ressortez plus tard. Je vous mets au défi de l'amener chez vous, de la mettre à côté de votre table de chevet, de laisser votre enfant décider quand vous devez mettre votre téléphone dedans, ou de mettre des horaires aussi. Si je suis pendant que je soupe, je mets mon téléphone dans ma boîte pour ne pas me faire déranger. Même si vous l'entendez sonner, vous n'avez pas le droit d'y toucher, sinon c'est votre tour de faire la vaisselle, par exemple. C'est un peu ce que je vous encourage à faire. Je vous laisse là-dessus, puis je vous encourage aussi à garder votre téléphone jusqu'à la sortie de Radio-Canada. Le garder dans la boîte pour vraiment avoir quelque chose à dire aux gens qui sont autour de vous, parce que vous ne pourrez pas vous cacher derrière les tweets.
Donc, c'est mon souhait pour vous et pour la technologie. Merci. Je tiens juste à dire aussi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste des hormones dans le cerveau. Je me base sur des études que j'ai lues et il y a très certainement des avis qui sont contraires. Donc, si vous voulez savoir sur quelle étude je me base, elles sont toutes dans les références. Et merci à tous ces gens, ils sont gentils.